que je t'ai fait de mal? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? Dis-moi. Dis-moi. Qu'est-ce que je t'ai fait de mal? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vas-y, dis-le-moi. C'est comme ça que tu peux me payer? C'est comme ça que tu peux me payer? Dis-moi. C'est comme ça que tu peux me payer? Tu es désolée? C'est bon. Je vais tout expliquer. Je vais expliquer. Expliquer quoi? Expliquer quoi? Reviens ici. Reviens ici. Le problème, je ne sais pas. Je n'arrive pas toujours à comprendre ce qui se passe. C'est pareil pour moi, je ne comprends absolument rien. Vas-tu passer nuit ici? Mais où irais-je? As-tu déjà mangé? J'ai pas faim, tata. Es-tu sûre? Tu étais ici déjà, ça fait longtemps. Tantine, où veux-tu que j'aille? Où veux-tu que j'aille? Je ne sais exactement ce que tu as fait à ta mère, mais rester ici ne va rien changer. Lève-toi, on va aller voir ta mère. Tantine, je ne suis pas sûre qu'elle va t'écouter. Elle va t'écouter. Ta mère va t'écouter. Mais j'ai peur. Je sais. Mais la peur ne va pas changer ses problèmes. Mais je ne pense pas. D'ailleurs, je sais que ma mère ne va pas me pardonner. Oh, puisque ta mère continue de prier et demander pardon à Dieu, elle va définitivement te pardonner. Elle va te pardonner. Allez, lève-toi, on va la voir. Lève-toi, viens. Allez, lève-toi, lève-toi. Dépêche-toi, lève-toi, on y va. Hein? N'est-elle pas mon amie? C'est tellement évident que c'est pour une affaire très sérieuse qu'une mère peut chasser son enfant ou sa fille de la maison. Maman Ruth, je sais que ton cœur a beaucoup d'amertume, mais ne veux pas que Ruth, qui est ici devant nous, est ta seule enfant. Donc c'est la raison pour laquelle elle a décidé de me tuer avant mon heure? C'est ça la raison? Non, patience. Hein? Comment une enfant peut vouloir délibérément tuer sa propre mère? Je suis sûre que ce qu'elle a fait, ce n'est qu'une erreur. Et l'erreur est humaine. Celle qui peut éviter l'erreur, c'est seulement Dieu. Oui, maman. Je t'en prie, pardonne-moi, pitié. J'ai été déçue, maman. Déçue? Déçue par qui? Qui t'a déçue? Lorsque je t'ai parlé ici, dis-moi, est-ce que tu m'avais entendu? Ok. Vas-y, réponds. Sois, hein, calme-toi. Maman, désolée. Pardonne-la. Je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle vient de dire maintenant? S'il te plaît. Ok, laisse-moi te demander. Ah, laisse-moi d'abord. Étais-tu violée?
t'es-tu violée? Vas-y! Tu vois, elle n'arrive plus à parler maintenant, hein? Ok. C'était bon, n'est-ce pas? C'était très bon! La question à lui poser, c'est de lui demander c'est qui le responsable? Teresa, je m'en fous! Que ce soit un pousse-pousseur ou n'importe qui, je m'en fous! Je m'en fous du responsable! Ruth! Ruth, je te prie d'être ouverte. Dis-nous, c'est qui est le responsable de cette grossesse? On avait des bananes plantains, c'est juste que maman avait commis une erreur. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, j'arrive. Hein? L'argent. Ok, l'argent? Oui. Ok, je vais te le donner. Ruth, tu vois, ça fait longtemps que je te parle concernant quelque chose. Mais tu ne m'as donné qu'une réponse positive. Mon frère, s'il te plaît, pas ça. Je crois déjà t'avoir dit que j'ai un petit ami, donc je ne peux pas. Un petit ami? T'as un petit ami? Ok, maintenant, dis-moi. Concernant l'examen dont tu m'as parlé, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent? Non, dis-moi, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent pour t'inscrire? Mais moi, Ken, je peux te donner le double de cet argent. Et tu le sais. Regarde cette boutique. Hein? Et regarde, tu sais que j'ai assez d'argent. Alors, il y a quoi? Va prendre l'argent chez ton petit ami pour l'examen. Si... Ok, alors donne-moi d'abord l'argent. Allons à l'intérieur. Tu sais que ma caisse est dedans. Je te le donnerai quand on aura fini. Je peux pas te décevoir, hein? Maintenant, allons-y. Hi, bébé. L'argent que viens-je te donner, hein, je te dis, c'est très petit comparé à ce que tu auras après. Je te promets. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Un peu de souris, non? Souris, non? Hein? Je ne vais pas te perdre. Je comprends, ma chérie. Je sais que je te manquerai. Tu sais, c'est pourquoi quand je suis prêt pour voyager, j'ai décidé de te voir avant de partir. Parce que je ne sais pas quand je serai de retour. C'est pour ça que je ne veux pas que tu partes. Tu vas beaucoup me manquer. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Écoute, ce que je veux que tu fasses pour moi en ce moment, c'est de prier. Prie pour moi. Prie pour que quand j'arrive à Wari, tout soit réussi. Et si cela arrive, hein? Je reviendrai pour t'épouser. Tu vois,
Elle n'arrive plus à parler. Parle. Tantine. Pourquoi tu veux tuer ta mère? Comment pourrais-je tuer ma maman d'amour? Ce que tu es en train de faire brise le cœur de ta mère. Cela mène des insuffisances cardiaques à la crise cardiaque et qui conduit à la mort. Chère Teresa, c'est regrettable que tu perdes ton temps avec cette fille. J'ai déjà une idée avec moi. Et personne ne va me l'échanger. Aucun bâtard ne peut entrer dans ma maison. Je ne peux pas le permettre. Ruth, j'ai déjà décidé. Et point barre. Ruth, s'il te plaît, parle. As-tu peur? Ha! C'est... Oh, tu me donnes devenu une muette. Je ne peux plus parler. Parle! C'est de mon petit ami. Lequel? Johnson. Parmi tout ce garçon de ce village, tu n'as vu aucun. Tu n'as vu que cet idiot de Johnson. Ce vaurien de garçon qui est sans emploi. Hey! Ok. C'est un peu calmé. Teresa, c'est très sûr que tu veux vraiment me tuer. Vas-y, fais-le. Juste à cause de ce vaurien. Oui, ça va. Trouvons. Tu m'as juste solution. Poussé à la mort. Non, ne dis pas ça. Est-ce que ce qu'elle a fait là est normal? Non, c'est pas normal ça. Rien. Viens mon frère, viens écouter. Viens voir ce que je vois ici. Hey. Viens mon frère. C'est toi disant viens écouter, viens. Qui ne veut pas que je prenne elle est là, elle est là. Mon propre gobelet. Où est-elle? Hein? C'est toi, Ruth, tu es encore là. Tu es encore là. Vas-y. Patience. Qu'est-ce que je fais moi? Vas-y. Là, nous devons chercher comment trouver la solution au problème. Elle est déjà enceinte. Tout ce dont nous avons besoin ici, c'est de savoir c'est qui est responsable de cette grossesse. Biko. Biko. Puisque tu as décidé délibérément de prendre la vie de ma soeur, tu veux tuer ma soeur. Je vais te tuer. Mon frère, tue-la. Vas-y, tue-la, mon frère. Je vais te tuer. La tuer. Et je vais tuer. Mon frère, vas-y, tue-la. Et je vais tuer. Oh, laisse-la. Mon frère, tue-la. Mon frère, qu'est-ce que tu attends pour la tuer? Vas-y, fais-le. Naï, s'il te plaît. Sans prie. Pitié, tonton. Pardon. Pitié. Ruth se fout de ma gueule. Hey! Ruth, d'ailleurs, pour qui elle se prend? Moi, Ruth, moi, tu me défies, on verra. Ruth! Mais pour qui elle se prend? Oh, Ruth, oh, tu as oublié qui je suis? Moi, Ikobi. Oh, Ruth, Inambam, je vais m'occuper de toi. Ruth, et donc, tu as dit que ma soeur ne sera jamais en paix. Alors, toi, Ruth, moi aussi, je dis que tu ne seras jamais en paix. Je vais m'occuper de toi, Ruth. Attends, on verra. Allô? À qui ai-je l'honneur? Bébé? Pourquoi pleures-tu? Tu as quoi? Attends, dis ça encore, tu as quoi? Tu es enceinte? Hey! Tu es enceinte? Bébé, écoute, c'est la meilleure nouvelle que j'ai jamais entendue dans ma vie. Durant toute ma vie, la meilleure nouvelle, ça mérite d'être célébré. Calme-toi, écoute-moi. Ne blâme pas du tout ta mère. Ne la blâme pas. Écoute, si c'est ce qu'elle veut, alors il n'y a pas de problème. D'accord? Oh, t'inquiète. Je viendrai te voir tout de suite. Une fois que j'ai quitté ici, je viendrai te voir. Et la rencontrer aussi. Oui. Bébé, mais dis donc, c'est dingue. Ouais, bébé, écoute. La pierre rejetée sera bientôt la pierre angulaire. J'ai l'habitude de dire aux gens que rien n'est éternel dans cette vie. Oui!
Tu n'as pas à avoir soucié de quoi que ce soit. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime aujourd'hui, je t'aime demain, pour toujours. Hey! Mais attendez, donc je vais avoir un Johnson Junior. Du genre, un garçon. Hey! Dieu! Dieu, tu es merveilleux! D'abord, que je te danse Shaku Shaku Jésus-Christ. Hey! Hey, Bouga! Hey! Shawa, you're blessed! We want this morning! Hey! Salut, salut! Qui est ici? Boutiquier, tu dors au lieu de vendre? Hey! Dans ce cas, je vais me servir. Que veux-tu acheter? Mon intuition me dit que je suis responsable de sa grossesse. Ouais. Ou bien, c'est de cette façon que Dieu veut que je l'épouse. Mon intuition ne me trompe pas. Mon intuition ne me trompe pas. L'espoir. Aucune situation ne reste permanente. Sois un peu réfléchi. D'ailleurs, tu as de la chance, il a accepté, il assume d'être le responsable de la grossesse. Et il est même prêt à t'épouser. Oui. Mais la façon dont ma mère me traite, c'est comme si j'étais la première fille au monde qui tombe enceinte chez ses parents. C'est pas bien. Et tu sais, tu n'as pas à blâmer ta mère, hein? Tu sais, toutes les mères du monde agiront de la même façon. Enfin, bientôt tu seras une mère. Et tu sauras comment ça fait mal d'être offensé par un enfant. Je veux juste que tu te remettes. C'est aussi ce que je veux. Ok, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, écoute-moi. Es-tu allé à l'hôpital pour un examen approprié? Juste des médicaments achetés? Simples médicaments? Non, 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 non. Écoute, bébé, je ne veux pas que quelque chose t'arrive et à mon futur bébé aussi, s'il te plaît. D'accord, ok, cesse de pleurer, cesse de pleurer, cesse de pleurer. Je vais appeler Tiki de venir te voir, ok? Je vais appeler Tiki tout de suite. Je t'aime aussi. Cesse de pleurer, non? Quelle est cette intention? Quelle est cette intention? Hein?
Qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis désolé de venir si tard. En fait, l'embouteillage à Wari était terrible. Je suis désolé. Mais je suis ici pour répondre à mon acte. Oui, s'il vous plaît, je suis très désolé de mettre votre fille dans cette condition à son âge. La vérité est que je vais la marier. Hein? Donc tu veux épouser ma fille? Oui, maman. Hein? Tu dois vraiment être stupide. Tu es vraiment bête. Maman, même si je suis bêtement amoureux de votre fille. Je l'aime beaucoup. Je crois que tu as été envoyé ici pour rechercher ma mort. Ma belle-mère, je ne suis pas ici pour détruire votre famille. Je l'aime beaucoup. C'est pourquoi je suis ici. Et le ciel sait que je l'aime de tout mon cœur. Peux-tu imaginer? Il ne fait rien dans la vie et il veut épouser ma fille. Es-tu normal? Maman, vous savez, gens différents, idées différentes. Il y a tant de gens qui réussissent dans la vie. Même les pousse-pousseurs, parfois ils deviennent des grands messieurs, des grandes personnalités dans la vie. J'ai même un ami qui réside à Onitsha, à Onunitsha Obuago. Il est maintenant un grand homme d'affaires. Oui, je suis un jeune homme qui a de l'avenir et je crois que je vais aller réussir là-bas et revenir ici emmener votre fille en ville. Je vais même l'envoyer à l'étranger. S'il vous plaît, je vais l'épouser. Et je suis sérieux sur ce point. Ruth. Je crois que tu es prête à transporter cette croix toi-même. Je crois que tu es capable. Johnson. Ne me provoque pas. Ne me provoque pas, Johnson. Ma soeur, relax, non? Relax. Nous ne sommes pas là pour se disquitailler. Nous ne voulons que la paix pour notre fille. Ma joie est surtout que ce jeune homme n'a pas nié notre fille. C'est tout. À Dieu ne plaise. À Dieu ne plaise, papa. Je ne peux pas renier mon futur bébé. Jamais. Mon futur bébé, qui te l'a donné? Dis-moi c'est qui? C'est bien. Mon alors. Futur bébé. Ok. Jeune homme, je te conseillerais de réunir tes parents. Qu'ils viennent et qu'on établisse le planning du mariage. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Qu'il te bénisse. Merci, aussi. Monsieur. Qui est devant moi? Ça va. Je vais te gifler, hein. Bye. Qu'est-ce qui te prend? Je n'aime pas ça, oh. Entre mon frère, non. Entre, je suis pas d'accord avec ça. Non. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu parles comme ça à ce garçon? Et tu t'attends à ce que je fasse, quoi? Que je les chasse après avoir engrossé notre fille comme et ça? Et alors? Je ne veux pas. Non. En tout cas, je n'apprécie pas du tout la façon dont tu lui parles. Je n'aime pas. Bien, tu n'as pas de choix. Écoute, tu vois c'est que tu as fait. Non, mon frère, non. En tout cas, je n'aime pas ça. Hey. Tu n'es qu'aimé. Qu'est-ce que tu racontes? Sais-tu pourquoi j'ai pitié de toi? Hein? Parce que quand tu vas commencer à souffrir avec ton futur bébé que tu as, tu vas regretter. Je suis désolée. Désolée? M'as-tu vu souffrir? Hein? Mais vas-y, réponds-moi. Aie pitié de toi-même. Pitié de toi-même. Où est mon problème? Toutefois, chacun de nous a sa croix. Tu as ta propre croix et moi j'ai la mienne. Oui. Ruth. Tonton. J'aimerais te poser une question. Es-tu prête pour le mariage? Oui, mon oncle. Ruth, tu vois, le mariage n'est pas un lit de roses, comme tu le penses là. Toutes les choses là ne sont pas des roses. Tu dois le savoir. Je vais te reposer la question. Es-tu prête pour le mariage? Mon oncle, je le suis. Ne laisse pas la désespérance de t'impliquer dans quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Ruth, es-tu prête pour le mariage? Mon oncle, je suis prête.
elle est prête. Ah, ah. Où est alors mon problème? Dois-je m'inquiéter? Dois-je avoir l'air inquiet? Où est mon problème? Qu'elle porte sa croix? Moi aussi j'ai la mienne. Pourquoi est-ce que tu m'informes? Écoute, ma soeur, tu comprends très mal les choses. Elle est prête pour le mariage. Mon frère, ça m'est égal. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Donne-moi mon argent. Ok, attends. Donne-moi mon argent. Vraiment. Donne-moi mon argent. Ah. Tu penses que je blague? Donne-moi. Va au diable. Bonjour maman. Qu'est-ce qui est bon pour la journée? Laisse-moi tranquille, lève-toi. Lève-toi vite, va derrière et fais-moi tous les travaux qui sont là-bas. Sinon je vais te faire du mal. Ah, lève-toi vite. Moi? Non, ton père. Ruth! Lève-toi. Veux-tu que je te fasse du mal maintenant? Hein? Lève-toi et va là-bas derrière, vite. Maman, permets-moi de finir mon sommeil. Hein? Hier, je m'étais couché très tard. Oui, parce que tu étais consulté par ton meilleur... Lève-toi, vite. Va là-bas derrière, vite. Alors, laisse-moi seulement 2 heures. Avant que je puisse fermer mes yeux et les ouvrir, je veux te voir derrière maintenant. Et je veux que tu le fasses vite. Lève-toi de là, vas-y, vite.
Madame Ruth, donne-moi à manger, non? J'étais là depuis longtemps. Hein? Tu as servi d'autre là, mon tour. Pourquoi? Oh, c'est quand même long, j'ai fait non. Attendez-moi, j'arrive, pardon. Mec, tu parles sur mon repas, non? Mais c'est quoi ça? Ruth! Oui? Quand est-ce que tu vas m'amener de l'eau? Je t'avais demandé depuis longtemps, non? Oh, désolé. Jay! Dépêche-toi! S'il te plaît, apporte deux. Je n'arrive pas à comprendre ça. Dépêche-toi! Tu devrais faire ça depuis longtemps. C'est ça. Tiens, j'ai perdu mon temps ici, oh. Nawao, un corps bien fait. Ruth. Ruth. Oui? Ne penses-tu pas que tu devais emmener la nourriture chez Monsieur Ken? Oh, ça m'était sorti de l'esprit. Oh, s'il te plaît, depuis aujourd'hui, c'est mardi. Oui. Je crois qu'il apprécie les ignames et les poulets, n'est-ce pas? Oh, oui, les ignames et les poulets, il aime ça. C'est vrai. Attends, j'arrive avec. Très fin. Attends. Ça fait une semaine que Ruth ne m'a plus apporté de la nourriture. Est-ce à dire qu'elle a quitté ce village? Peut-être à cause de sa grossesse. Que veut dire ceci? Je suis fatigué de prendre ce pain et de la coca. Chaque fois, c'est gala, gâteau, biscuit, hein? Sucrerie. Chaque fois. Je veux ces haricots. Ces haricots et plantains. Son plat délicieux. J'aime sa cuisine. Ah! Thank you.
Ah ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas là. Eh, hey, Ruth, il a toujours dû délaisser la nourriture, même s'il n'est pas présent. Hein? Maman, la boutique est fermée. Hein? D'accord, dépose ça alors là-bas. J'espère que mon bébé donne de bons coups de pied. Comme, allez, c'est au hobby. Oh, tu aimes Victor Moses. Ok, bien, ils sont tous de bons joueurs. Oui, Joseph Yobo, Emilike, Mikel, ils sont tous de bons joueurs. Ok, mon amour. J'espère que tu ne pleures plus. S'il te plaît, ne pleure plus, ok? Ouais, bébé, je dois l'avouer, Dieu est de mon côté. Mes affaires et tout va bien. Hé, hey, mon amour, tu sais quoi? Nous allons nommer cet enfant Yonboul. Tiné, bébé. Tu aimes ce nom? Tiné, bébé veut dire Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Ok. T'inquiète pas, tu vas aimer. Je t'aime aussi. Ouais. Tu es ma meilleure. D'accord, prends soin de toi. D'accord. Madame, tu as de l'œuf? Deux œufs. Je peux voir. Alors, qu'est-ce qui t'amène dans mon shop? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Bien, mon oncle, je viens ici par rapport aux questions que tu m'avais posées il y a 4 jours. Alors, as-tu pris ta décision? Oui, mon oncle. Alors, quelle est ta décision? Bien. J'ai décidé de me marier avec Johnson. Es-tu sûr? Ruth, ma fille, le mariage, c'est la gérance. Le mariage, c'est la tolérance. Le mariage, c'est l'endurance. Regarde, le mariage, c'est une institution qui admet plusieurs personnes des différents âges. Je sais pourquoi je te dis ça. Pense vraiment bien. As-tu pris la décision de te marier? Oui, mon oncle. J'aime Johnson de tout mon cœur. Et je sais qu'il m'aime aussi. Et il fera tout pour prendre soin de moi. Oh, demain. Très bien, alors. C'est ton choix. Ton choix. Attendons les gars qu'ils viennent avec sa famille, alors. Oya, j'espère que tu as soif. Hein? Laisse-moi te trouver de l'eau, n'est-ce pas? Mon oncle, pas de problème. Je vais bien. Oh, t'es sûr? Ok. Bye. Dis salut à ma soeur. Oh. Salut là de ma part. Oh, mon cher, la vie est tellement courte. Et tu connais ta condition. Ne laisse pas les oppressions de ta mère te mettre en danger. Que veux-tu que je fasse? Ma mère refuse de me pardonner. Elle continue toujours à dire que j'ai terni l'image de la famille. Elle est juste en train d'exprimer sa désolation. Hein? Aucune mère n'acceptera sa fille avec cette condition. Je sais. Mais c'est pas de cette façon qu'on corrige quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'elle te hait. Ta mère t'aime beaucoup. Elle est juste en train de te montrer que ce que tu as fait n'est pas correct. Alors ne te laisse pas avec toutes ces émotions. Écoute, Déborah, merci beaucoup pour tout ce que ta mère fait. Ni t'était l'intervention de ta mère. Dieu seul sait ce qui m'aurait arrivé. Merci beaucoup. C'était juste pour t'aider. C'est pas un Ruth. Problème. Ah.
belle fille. Hey, n'essaye plus jamais de me toucher. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ceci? T'ai-je offensé? On y va, mon ami. Ruth, je t'aime. Ouais, c'est ça. Ok, monsieur l'amoureux. Moi, je te déteste. S'il te plaît, fiche-moi la paix. Tu me détestes? Ruth, pourquoi? Qu'est-il? Bien. C'est l'un des clients de ma mère. Il ne fait que me déranger. Je lui ai déjà dit mille et une fois que je ne suis pas intéressée, mais il fait le sourd d'oreille. Regarde-le. Il joue un garçon sérieux, mais pourtant, personne ne croira que c'est un vrai sournois. Ta mère et moi, nous allons conclure ceci. Je t'épouserai. Je sais que tu es ma femme. Hein? Je ne sais même pas pourquoi elle ne m'aime pas. Après tout ce que j'ai dit, je ne sais même pas pourquoi elle ne veut pas m'écouter. Regardez ce qui s'est passé maintenant. Je suis venu pour la voir, elle m'a quitté. Quel mal ai-je fait? Calme-toi, hein? S'il te plaît, je prends place, assieds-toi. Je ne sais pas pourquoi elle me traite comme ça. Tanti, s'il vous plaît, est-ce que vous savez si Ruth est là? Elle a dit qu'elle est allée faire quelque chose. Tanti, s'il vous plaît, je veux que vous m'aidiez à l'informer que je viendrai avec mes parents dans les deux prochaines semaines. Je vais juste lui faire part de mon intention. Oui. Ça, c'est bien. Oui, j'ai aussi apporté ceci pour elle. Oh. Dis-lui que John sait. Merci lui beaucoup. Lui a apporté ceci. C'est petit, merci, mais hein? Il n'a qu'à gérer ça. Ok, c'est bien. Comment se passent les préparatifs de ta cérémonie? Mais tu sais, dis-moi, tu as un souci avec le cours? Non, pas ça. Tu sais que ça avec moi, là, ça ne marche pas, non? Moi, je n'écris plus. Tu n'écris plus? Mais pourquoi? Mais tu devais être en train de le faire, non? L'université n'est pas faite pour tout le monde. Ce n'est pas pour moi. Je prie seulement que Dieu bénisse Johnson demain. Bien. Mais je pense que tout fait partie des études seulement, non? Je vais perdre mon temps. Non, tu n'as pas à dire que c'est une perte de temps, ma chère. Alors continue d'écrire. Mais pourquoi? Tu devais écrire toi aussi. Surtout, je veux que vous m'aidiez à dire à sa mère que je n'ai pas intentionnellement mis sa fille enceinte. J'aime Ruth de tout mon cœur et mon intention à son égard est sincère. En fait, je vais l'épouser. Es-tu sûr? Oui, je vais l'épouser. Je la chéris tellement. Vous voyez? Oh bien, elle est là. Ah, Ruth. Ok, merci. Thank you.
mon fils. La plus grande belle-mère. Mon beau-fils, pourquoi tu as disparu comme ça, hein? Combien de temps comme ça? Maman, tu es de retour? Bon après-midi. Ma femme, comment tu vas? Maman, je pars me soulager. Rassure-toi de revenir maintenant même, maintenant. La belle-mère numéro 1 en Afrique de l'Ouest. t'es superbe. Mon beau-fils. Ma belle-mère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma femme, non. Elle ne m'apporte plus de la nourriture. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Elle était venue dans ton shop. Et elle m'a dit que tu avais voyagé. Moi, voyager? Depuis quand? D'ailleurs, même aujourd'hui, regarde la nourriture. Elle vient de revenir. Elle m'a dit que ton shop est fermé. Ken, moi, voyager? Non, je n'ai pas voyagé. Au fait, ça fait 2 mois que je n'ai pas voyagé. C'est étrange. Es-tu sérieux? Maman, ceci m'est complètement étrange. Je n'ai... Tu veux dire que tu n'as pas voyagé? Vais-je te mentir? Je suis sérieux, j'ai pas voyagé. Il n'y a pas de problème. Alors, bienvenue. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Oh, t'inquiète. Hein? Tu m'as menti qu'il a voyagé. J'ai toujours préparé dans cette maison. Va déposer à Ken. Et je me montre que Ken a voyagé. Quand est-ce que tu avais vu Ken voyager? Dis-moi aujourd'hui. Vas-y. Hein? Parle maintenant, non? Parle. Vas-y, parle. Désolée. Tu n'arrives pas à parler. Vas-y, parle. Parle, je te... Regardez-moi cette fille, mon Dieu. Je peux te tuer, mais je peux même te tuer aujourd'hui. Je vais te tuer. Regarde-moi cet enfant. Tu cherches des problèmes ou quoi? Hein? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage, hein? Qui t'a fait ça? Ejike, c'est ma mère. Ta mère? Désolé, oh. Ta mère doit être méchante, hein? Désolé, hein?
As-tu les nouvelles de Johnson? Johnson, non. Ok, oui, oui. On a parlé la nuit dernière et il avait dit quelque chose du genre qu'il va t'envoyer de l'argent. Son téléphone ne passe pas, donc je ne sais pas s'il va bien. C'est peut-être un problème de connexion. Oui. Ou peut-être il n'a pas de charge. Essaye la prochaine fois. Ça va passer. Ok, merci. De rien. Alors, comment se passent les affaires? Oh, les affaires? Bien, on fait de notre mieux, petit à petit. Eh ben, c'est bien alors. Ok, très bien. Ça va. Juste prends soin de toi-même. Et s'il te plaît, sois très prudente avec ta mère. Pour qu'elle ne te tape plus, hein? Je le ferai. Merci. Ok, c'est bon. Bye. Bye. Je disais, j'aimerais te rejoindre si c'est pas aujourd'hui, même demain. Ou soit tu ne comptes plus m'épouser. Oui. Ma mère va me tuer. Ok. Bye. Ruth! Ruth! Maman? Déborah. Mais pourquoi elle peut te taper jusqu'à ce point? Te rappelles-tu de cet homme qu'on avait croisé quand on revenait de l'église? Oui, je me souviens. Oui, ma mère a enfin découvert que je mentais en disant que je lui apporte de nourriture ou que je ne le faisais pas. Fais-moi comprendre. Et pourquoi ces mensonges? Ou tu as une affaire avec le monsieur? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Jamais! Je n'en peux plus de toutes ces provocations. Je déteste voir même son visage. Il te fait des avances, tu dis, et tu n'as même pas raconté à ta mère. Tu ferais mieux de dire à ta mère tout ce qui s'égare, tu racontes. Si seulement tu connaissais les genres de mère que j'ai.
Ma chère mère aime vraiment beaucoup ce jeune homme. Sérieusement? Et elle espère qu'il puisse les marier. Mais normalement, tu dois faire ton propre choix, non? C'est pas ta mère de faire un choix pour toi. Ma mère ne sait pas du tout cela. Ah, en ce cas, c'est pas intéressant. Ma mère est très différente de la tienne. Hein? Elle ne peut jamais me forcer à une relation. Tout ce qu'elle fait, c'est de me conseiller. Et moi, je fais mes choix. Espérons que ta mère comprendra. Hein? Ma chère, je crois que je dois partir avant qu'elle ne se mette à prier. Ok, ok, bien. Laisse, je vais porter pour toi. Ah, ah, tu dois me rendre par T'inquiète. Et pourquoi sommes-nous amis? Laisse-moi faire. Que je t'ai rencontré ici. Mais comment vas-tu? J'étais en train de venir chez toi, mon ami. Hé, hey, partons alors. Non, comme nous nous sommes vus déjà, laisse-moi te le dire ici. Je crois qu'il n'y a pas de problème. C'est au sujet de ta fille. Elle était venue hier dans ma boutique. Mais comment tu veux la battre jusqu'à ce point? Hein? Elle n'a encore rien vu, ma chère. Je te jure qu'elle n'a encore rien vu. J'ai pas encore fini avec elle. De faire ça, c'est trop cruel. Elle devait aller m'accuser à la police, ah oui. Pardon, il ne faut pas la battre comme ça. Tu connais bien sa condition. Alors, où est mon problème à propos? Sa vie, c'est ça ton affaire, oh. Parce que si quelque chose lui arrive maintenant la même, toi, tu seras la première à crier. Hey, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Je jure devant Dieu. Qui? Moi? Parce... Toi pour qui? Hey, tu parles parce que tu ne me connais pas vraiment bien. Ce n'est pas ce que tu penses, oh. Hein? Teresa, moi, tu ne me connais pas. Hey, maman, écoute, s'il te plaît, laisse-moi te poser une question. Est-ce que je peux te poser? Oui. Ok, bien. Est-ce que Ruth n'est pas l'amie de ta fille? Bien sûr que oui. Pourquoi est-ce que l'autre fille n'est pas enceinte? Pourquoi n'est-elle pas enceinte? Patience. On n'a pas tous la même vie. Oh, okay. Oui. Sais-tu combien de filles qui avortent tous les jours? Heureusement que cela ne peut jamais arriver à ma fille. Ça allait être une bonne option pour elle d'aller faire l'avortement. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu m'as bien entendu. Hey, ça allait vraiment être une très bonne chose. Au lieu qu'elle porte ses bâtards et qu'elle m'amène la honte comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que tu es en train de dire? Laisse-moi parler, je suis libre. Les gens t'écoutent. Je dois parler, laisse-moi. Qui? Je m'en fous qu'ils m'entendent. Ils veulent même ouvrir leurs yeux et me regarder. Arrête, laisse-moi tranquille. Pourquoi ne pas le dire? Les mères ont des oreilles. Même s'ils ont les nez et les yeux, je m'en fous. Très bientôt, tu vas très bien me comprendre. Tu vas voir, très bientôt, je vais le dire à tout le monde dans cette communauté. Et tu vas voir. Vraiment? Il n'y aura rien. C'est ce que tu dis. Laisse-moi tranquille. Vas-y. Et alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Hein? Écoute, laisse-moi tranquille, pardon. Pardon. Je m'en fous, pardon. Laisse-moi, hein. Ne me parle plus de ça, oh. Je t'en prie, pardon. Mais, allons-y, c'est quoi?
Mon bébé. Hein? Écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai cette ferme conviction qu'avec le temps, ta mère acceptera notre relation. Tu ne connais pas ma mère. C'est une femme très entêtée. Quand elle dit oui, son oui reste oui. Et quand elle dit non, c'est toujours non. Je vais te poser une question. Est-ce que ta mère est Dieu? Non. Tu sais, c'est seul Dieu qui peut dire oui. Et son oui reste oui. Je crois qu'avec le temps, ta mère va changer. Fais-moi confiance. Je l'espère aussi, mais je suis impatient de vivre avec toi. Tu me manques. Mon amour, t'inquiète pas. Tu me manques aussi. Écoute, dans cette vie, on doit aller étape par étape. D'accord? Ok. Relâche-toi. Tu iras mieux et tu viendras me voir certainement. D'accord? Ok. Je t'aime. Je t'aime plus. Allez, viens. Tu pouvais te permettre que ces choses t'arrivent de cette façon. Maintenant, tu veux dire que deux hommes sont responsables de ta grossesse. Tu t'es mis dans ce trouble juste à cause d'argent. Je ne sais pas pourquoi et comment je suis tombée dans son piège. Écoute, laisse-moi te dire. Les hommes savent que les femmes sont tellement désespérées. Ils utilisent ça pour nous avoir. C'était un piège pour lui de t'avoir avec cet argent qu'il t'avait donné. Je suis confuse. Je ne connais pas les responsables de ma grossesse. Je ne sais pas si c'est lui. Ou Johnson. Je me souviens, tu avais vu l'autre jour là Johnson, juste quelques minutes après lui. Oui. Ça devient très sérieux et très délicat. Mais c'est Johnson que j'aime. C'est avec lui que je vais me marier. Ma chère, trouver la personne que tu veux épouser ou être avec n'est pas le problème maintenant. Ah, t'inquiète. Dieu va t'aider, hein? Ça va aller. Ok? Ok? Dieu va t'aider, ça va aller. Ok. Je t'ai appelé ici pour que tu me dises la vérité. Ruth, sais-tu que l'esprit de ton défunt père n'est pas heureux avec toi, hein? Le sais-tu? Mon oncle, je suis confuse. Comment ça tu es confuse? À présent, je ne sais plus qui est l'auteur de ma grossesse. Comment ça, tu ne sais pas? La vérité, c'est... La vérité est que... J'ai couché avec tous les deux le même jour. Thank you.
Ruth. Mon frère, on avait des bananes plantain. C'est juste que maman avait commis une erreur. Il n'y a aucun problème. T'inquiète, j'arrive. Hein? L'argent. Ok, l'argent. Oui. Ok, je vais te le donner. Ruth, tu vois, ça fait longtemps que je te parle concernant quelque chose. Mais tu ne m'as donné qu'une réponse positive. Mon frère, s'il te plaît, pas ça. Je crois déjà t'avoir dit que j'ai un petit ami, donc je ne peux pas. Un petit ami. T'as un petit ami. Ok, maintenant, dis-moi. Concernant l'examen dont tu m'as parlé, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent? Non, dis-moi, est-ce que ton petit ami peut te donner l'argent pour t'inscrire? Mais moi, Ken, je peux te donner le double de cet argent. Et tu le sais. Regarde cette boutique. Hein? Et regarde, tu sais que j'ai assez d'argent. Alors, il y a quoi? Va prendre l'argent chez ton petit ami pour l'examen. Si... Ok, alors donne-moi d'abord l'argent. Allons à l'intérieur, tu sais que ma caisse est dedans, je te le donnerai quand on aura fini. Je peux pas te décevoir, hein? Maintenant, allons-y. Hi, bébé. Ah. L'argent que viens-je te donner, hein, je te dis, c'est un petit comparé à ce que tu auras après. Je te promets. Il est temps pour moi de rentrer chez moi. Un peu de souris, non? Souris, non? Hein? Je ne vais pas te perdre. Je comprends, ma chérie. Je sais que je te manquerai. Tu sais, c'est pourquoi quand je suis prêt pour voyager, j'ai décidé de te voir avant de partir. Parce que je ne sais pas quand je serai de retour. C'est pour ça que je ne vais pas que tu partes. Tu vas beaucoup me manquer. Calme-toi, mon amour. Calme-toi. Écoute, ce que je veux que tu fasses pour moi en ce moment, c'est de prier. Prie pour moi. Prie pour que quand j'arrive à Wari, tout soit réussi. Et si cela arrive, hein? Je reviendrai pour t'épouser. Du diable, Johnson. Je suis désolée, Johnson. Tu la fermes. Tu la fermes, ta sale gueule. Tu la fermes. Ruth, tu m'as déçu. Ruth, tu m'as déçu. Tu as tout bousillé. Après tout l'amour que je t'ai prouvé, c'est comme ça que tu vas me payer en retour? Tout ce qu'on a partagé ensemble, c'est comme ça que tu veux en finir? J'étais engagé dans cette relation. Et oui, je faisais tout juste afin qu'on soit heureux. Afin qu'on devienne madame, monsieur et vivre sous le même toit. Pourquoi pourrais-tu me faire ça? Tu as tout bousillé. Tu as bousillé l'amour que j'ai pour toi.
Tu as bousillé l'attention que je t'accorde. Tu as tout bousillé. D'ailleurs, va au diable. Ruth, je dis, va au diable. Je ne t'aime plus. Je te déteste. N'appelle plus jamais ce numéro. N'appelle plus jamais ce numéro de toute ta vie. Pourquoi tu me ferais ça, Ruth? Pourquoi tu me ferais ça? Je te déteste. Je te déteste. Va au diable. Johnson. Johnson. Non! 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 Ruth, non! Je t'aime! Qu'est-ce que cela veut dire pour l'amour de Dieu? C'est un crime de main! C'est un crime de main! C'est un crime d'aimer. Ruth, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Je ne te pardonnerai jamais. Je ne te pardonnerai jamais pour ça. Je ne te pardonnerai jamais. Que veux-tu dire? Attends. Que veux-tu dire? Écoute, laisse-moi te dire. Si tu vas considérer mes conseils, écoute, mon ami, tu es trop jeune pour épouser cette fille. Oui. Ok? Écoute, tu es trop jeune pour entrer dans une prison pareille, ok? De quoi parles-tu? Tu n'es même pas sûr de ce que tu dis. Écoute, je ne suis pas trop jeune pour une quelconque prison. Sais-tu quel âge j'ai? Ok, je peux entrer dans n'importe quelle prison tant que cela concerne Ruth, mon amour. Je peux. Calme-toi, tu ne me comprends pas. Ok? Écoute, comme ton ami, ton meilleur ami, si tu me demandes un conseil, je te dirais de faire comme Pierre. Juste, fais comme Pierre. Chiké, si je dois te comprendre, qu'est-ce que tu veux dire par fais comme Pierre? Tu me fais rire. Je pense que tu ne vas pas à l'église. Ok? Bien. Dis-moi, qu'est-ce que Pierre avait fait à Jésus dans la Bible? Pierre? Mm-hmm. Non, dis-moi, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire. Ni là. C'est ça. Que je renie ma femme. Oui, mais non. Là, c'est aussi simple que ça, je ne sais pas ce qui te complique. Que je renie ma femme. Je suis en colère contre toi en ce moment. Je te prenais pour un vrai ami, c'est ce que tu me conseilles? Donc je suis venu pour me confier à toi à cette heure. Tu me demandes de refouler ma femme, celle que j'aime tant. Quel genre d'ami tu es? Tu ne m'as jamais aimé. Non, non, calme-toi, j'essaie juste de te dire ce qui est mieux pour toi. Rien n'est mieux pour moi dans ça, Jigé. Ce que tu viens de me dire est de n'importe quoi, de l'absurdité, ça n'a pas de sens. Si c'est comme ça que ton père t'a fait venir au monde, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Écoute. Ne m'insulte pas, oh. Ne m'insulte pas. Ne m'insulte pas parce que j'essaie de t'aider. J'essaie de t'aider et cela ne te donne pas l'autorisation de m'insulter. Je n'ai pas besoin de cette aide. Je dis bien, je n'ai pas besoin de cette aide. Va aider tes bons à rien d'amis.
Johnson, juste calme-toi, ok? Essaie d'y penser, c'est pour ton bien. Oui, c'est pour t'éviter toutes ces pressions et tous ces maux de tête. Juste nie là et tout prendra fin. Chike, si tu veux vraiment m'aider en ce moment, j'ai besoin d'eau. Un verre d'eau, mais dur. Je suis désolé, je ne sais pas où prendre de l'eau, juste calme-toi. Alors laisse-moi tranquille. Ok, je vais te laisser, je m'en vais. La dénier. Quelle raison je vais donner? Est-ce que ce gars est vraiment mon ami? Un vrai homme ne pleut pas. Je sais quoi faire. Et oui, je sais quoi faire. Naï, nous sommes ici pour demander la main de ta fille en mariage. Vous avez très bien parlé, mais... Il y a un problème. Quel problème? Oui, un très grand problème. La vie de ma fille a vraiment un très très grand problème. Je vous dis un très grand problème. Belle-mère, papa, ça c'est pas un problème pour nous. Oui. J'aime beaucoup votre fille. Exactement. Et nous avons programmé cette rencontre avant que ce problème n'arrive. Donc nous sommes prêts pour tout. Oui, maman. Jeune homme, vous ne comprenez pas. Vous voyez? Le mariage n'est pas quelque chose dont on s'est précipité. Hey,
Voyez-vous, un autre homme est en train de revendiquer la grossesse de notre fille. Je sais ce que ça veut dire. Bon, alors, notre famille a décidé que... avant de marier notre fille à qui que ce soit, avant même d'accepter qui que ce soit dans cette famille, nous voudrions être certains de celui qui l'a engrossé. Mais Naï... Viens, arrête mon fils. Il n'y a pas de mais là, ok? J'ai dit qu'on ne va pas donner notre fille en mariage avant d'approuver qu'il l'a engrossé. Pourquoi de mais? Ça veut dire quoi? Papa. Je crois qu'on a fini. On a déjà parlé. Merci. Je pense qu'on doit partir. Tu as bien parlé. Attends. Papa, permettez-moi de vous poser une question. S'il vous plaît. Pour combien de temps allons-nous attendre? Ce n'est pas défini. C'est indéfini. Indéfini pour le C'est moment. Indéfini. Tout le monde sait que la grossesse est 9 mois. Après 9 mois, vous n'avez pas à vous inquiéter là-dessus. Oui, Levez-vous et partez maintenant. Levez-vous. Partez, c'est quoi en ça? En tout cas, je vous assure, quand on aura fini nos enquêtes et déterminerons qui l'a engrossé, je vais vous informer. Ok, mais c'est compris. Partez maintenant. Vous ferez mieux de partir. Partez. Pourquoi vous avez une insistance aveugle comme ça, hein? Oui, ok, allez-vous-en. Merci d'être venu de toute façon. Allez-vous-en. Partez. D'accord, partez. Ok, très bien. Hé, reviens ici. Viens prendre ton truc ici. Viens, allons-y. Hé, je te parle, non? Viens prendre sa fille ici. Regardez-moi ces gens. Ils n'ont même pas honte, ces gens ici. C'est bon. Ça veut dire quoi, ça? Ça non, mon frère, je suis pas contente. Calme-toi, pourquoi t'enflammer? Non. Je connais tous les troubles que tu traverses. C'est pas de ma faute, s'il te plaît. Allez, lâche-moi et dégage de là, vilain type. Bébé, s'il te plaît, ma conscience ne me laissera pas tranquille. C'est pourquoi je suis revenu. Va en faire. Ruth, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie. Va me tuer. Ok. Bye. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait. Pitié, Johnson. Je t'en prie. Je suis désolée. Tu sais bien que je serais incapable de te trahir. Je t'en prie, Johnson. J'ai été bête. Pitié. Je t'en prie, Johnson. Je te demande de me pardonner. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je t'aime plus que tout. Je ne te ferai pas du mal intentionnellement. Pitié. Tu sais que je te pardonne toujours. N'est-ce pas?
je te pardonne. Si je ne t'ai pas pardonné, je ne serai pas intéressé par le mariage et je ne serai pas ici à cette heure. Peut-être que tu veux me marier seulement parce que j'ai ton enfant dans le ventre. Jamais. Je sais que tu ne m'aimes plus, mais désolée. Ça va. Je t'aime beaucoup. Je t'aime du plus profond de mon cœur. D'accord? Je sais que ce qui s'est passé est une erreur, une simple erreur. Ça peut arriver à n'importe qui. Cesse de pleurer. Merci. Hey! Mon fils! Ouais? Hey, mon fils! Maman, tout maman! Tout ça pour moi? Dis-moi tout ça pour moi! Hey! Hey! Check-em! Si tu n'étais pas mon beau-fils, j'allais t'embrasser, je te jure. Que je te bénisse. Amen. Hey. Maman, ceci est la jeunesse de tout ce que j'ai pour toi. Ouais. Tu sais que je suis à la hauteur de la tâche. C'est bon. Mon beau-fils, tu es capable de m'offrir tout ça. Pendant que je n'ai même pas encore épousé ma fille. Mm-hmm. Alors si tu l'épouses, qu'est-ce qui va se passer? Ça sera terrible pour moi. Oh mon Dieu, j'en aurai beaucoup. Attends d'abord, tu pourras leur m'amener tout le village, je pense, hein? Je peux tout faire pour toi, pour l'amour que j'ai pour ta fille. Je comprends. Tu vois, quand j'arrive dans cette maison la prochaine fois, dans un prochain avenir, quand j'arrive, je vais t'apporter l'assurance, sachant que ce garçon a chanté Davido, ouais, l'assurance. Mon ami. Maman, quand j'arrive, tu auras la difficulté à respirer dans cette maison à cause des voitures qui seront garées partout. Mercedes-Benz, Ramadji, Toyota, ça c'est pour les poulets. Il y aura Ferrari, BMW. Maman, tu vois, et on m'appellera Monsieur Assurance. Et on t'appellera aussi Maman Assurance. Je t'assure. Attends d'abord, s'il te plaît. Tu parles du musicien là qu'on appelle Davido. Assurance, non. J'avais entendu ses chansons. Je connais sa voiture même. Je l'apporterai. Oui. Ils commenceront par m'appeler Monsieur Assurance. Jésus. Monsieur Assurance. Partout. Mon beau fils, tape ici. Dis-moi ce que tu veux. Vas-y, dis-moi. La plus grande belle-mère. C'est bien moi. J'ai atterri. Oui. J'ai atterri. T'es le bienvenu. T'es le bienvenu dans ma maison, mon fils. Que veux-tu? Maman, je ne sais pas. Parle, non? Parle! Mon futur beau-fils! T'inquiète! Okochi? Oui, maman. C'est vrai ça? Tu veux la nourriture? Oui, attends-moi, j'arrive pour mon fils. Ça va? Il n'y a pas de problème. Je t'emmène tout ce que tu veux, mon beau-fils. Maman, tout ce qui vient de toi est bon. Oui! Tout ce que je veux? Tout ce qui vient de toi est bon. J'arrive, je veux t'emmener tous les plats que j'ai fait aujourd'hui. Maintenant, tu as parlé! La maman listique, la maman partout. Maman. T'inquiète, ma plus grande belle-mère. Maman, ma plus grande belle-mère. Ma fille doit t'épouser. Oui, c'est ta femme maintenant. Je te suggère de permettre à Ruth, ta fille, d'épouser ce jeune homme. Parce que tu sais, ce qui est plus important ici, c'est son bonheur. Thérésia, je ne te comprends pas du tout. C'est pour le bien de nous tous ou bien mon propre bien? Je ne le comprends pas. Patience. Seras-tu contente de savoir que ta fille n'est pas heureuse dans son mariage? S'il te plaît, laisse-lui faire son choix, prendre son amour et profiter de son mariage comme elle veut. Mais, pour être franche avec toi, ça sera très très difficile. Très difficile, oh. Je jure. Mais pourquoi c'est si difficile pour toi de lui pardonner? Pendant que toi, tu continues de demander pardon à Dieu. Parce que Dieu est Dieu. Et un humain est un humain. Alors je ne peux pas du tout être Dieu. S'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Il y a toujours une seconde chance dans la vie. Biko. Ok, je t'ai entendu. Merci, mon ami. Maintenant, dis-moi, comment va le business? Mais je te dis la vérité.
En tout cas, Dieu est très fidèle envers moi. Comme tu peux bien le voir. Oh, oh patient. Tu vois, la condition de ta fille doit être ton bonheur. S'il te plaît, arrête-moi ça. Ne parle pas de ça, je t'en prie. Oh. Ah, ah, c'est quoi ça? J'ai tu peux aussi partir, s'il te plaît, pars. Hey, ah, ah. J'aime bien si tu meurs. Oui, 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 oui. Tu connais Chélu? Es-tu sûr? Oh, il a eu une boutique. D'accord. Parle fort, non? Je ne t'attends pas bien. Parle fort. Bien, bien. Ça va. Je te ferai signe après. Je t'aime aussi. S'il te plaît, étant mère, tu es la seule personne qui a le droit et la sagesse d'influencer les pensées de ta fille. Il y a un adage qui dit que les mères sont les meilleures amies de leurs enfants. S'il te plaît, maman, aide mon frère ici. S'il te plaît, il est vraiment dans le besoin. Mon cher, même la nature sait que j'aime énormément Ken. Et mon cœur veut qu'il devienne un jour mon beau-fils. Ok. As-tu déjà entendu ou vu quelqu'un que j'appelle le beau-fils? Non, 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 maman, non. Tu non. vois? Si ça ne dépendait que de moi, j'allais déjà prendre ma fille depuis tous ces temps. Mais en tant que femme, nous savons tous qu'une femme ne peut pas donner sa fille en mariage. Et à part ça, rappelez-vous de ce que mon frère avait dit, que nous devons tous être patients. Jusqu'à ce qu'on va découvrir le responsable de sa grossesse. Maman, ça c'est vrai. Mais ce que nous voulons est que tu puisses convaincre ta fille d'accepter mon frère. Qu'il soit responsable ou pas, on s'en fout. Voilà un peu, c'est tout ce qu'on voulait demander. Maman, maman, je t'en prie. Fais ceci pour moi. S'il te plaît. Et je serai toujours reconnaissant. Je n'oublierai jamais ce jour. Juste fais-le pour moi et tu ne vas pas le regretter, s'il te plaît. Je t'en prie. Hey. S'il te plaît, lève-toi. Hmm? Lève-toi. Que je me lève. T'inquiète, ça va aller. Je ferai de mon mieux. Oh, je ferai de mon mieux, hein, s'il te plaît. Lève-toi. Que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Amen. Dieu te bénira. Tu seras plus de 100 ans. Mm. C'est vrai ça. Ouais. Ouais. Hey, merci, oh, merci. Ma belle, toi tu as examen, alors hein? Tu peux épuiser la première. Est-ce que tu sais que j'avais fini mon examen juste 20 minutes après la destruction de papier? Donc, tu t'es bien préparée pour l'examen? Oui, Dieu seul sait. Je me débrouille. Alors, cela veut dire que dans très peu de temps, tu seras admise à l'université. Ah, ok. Je ne serai pas seulement admise à l'université, mais je vais aller faire... un domaine de mon choix. Tu es chanceuse, vraiment chanceuse. Merci. L'université n'est pas faite pour tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. L'université est pour tout le monde. Peu importe ton statut social. Mais tu sais, mon ami, dans notre pays maintenant, il y a plein d'opportunités pour faire les études universitaires. Il y a beaucoup de sciences de nos jours. Il y en a plein. S'il te plaît, mon ami, puisons de l'eau. S'il te plaît, puisons de l'eau. Franchement, tu as tout gâché. Tu as tout gâché. Je ne peux pas te croire. Je ne pouvais pas croire que tu pouvais être aussi moins cher. Hein? Ce n'est pas de ma faute. Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Je crois peut-être qu'il m'a envoûté. Envoûté? Hein? C'est ce que vous dites toujours. Vous les femmes, je me demande ce qu'il t'a promis. Peut-être un téléphone. Hein? Non, tu sais que je ne suis pas matérialiste. Je me demande, écoute, si quelque chose arrivait à John, John n'arrive même pas à se concentrer, il ne peut rien faire maintenant. Si quelque chose lui arrivait... Je te
t'en prie, aide-moi à les supplier. Dis-lui que je suis vraiment désolée. Quitte devant moi avant que je ne fasse quelque chose de stupide. Quitte ici. Chiqué. Hey. Chiqué. Aïe. C'est Dieu qui m'a sauvé aujourd'hui. Aïe. Ce gars appelé Johnson, hein? Écoute, je ne serai plus parmi les vivants si ce n'était Dieu. Aïe. Aïe. Je remercie Dieu pour ta vie. Moi. Hein? Ah. Juste apaise-toi. Hein? Mais pour ces Johnson-là, ces grands fous furieux. Regarde, nous devons leur porter plainte à la police. Qui connaît leur prochain plan? Oui, nous devons les faire arrêter d'abord. N'est-ce pas? Oui? N'est-ce pas? Mais je ne sais pas là où les trouver. Lui et ses amis misérables, je ne sais pas là où ils habitent. Écoute, faisons d'abord une plainte à la police, au cas où. T'as raison, je vais fermer ma boutique. T'as vraiment raison, je vais fermer ma boutique. Pas de problème. S'il te plaît, apporte-moi les Sprite. Sprite? En plastique ou bien en bouteille? N'importe lesquels, n'importe lesquels. Okay. Parce que là, mon sang est trop chaud, hein. N'est-ce pas? J'arrive. Dépêche-toi, dépêche-toi. Mon amour. Mon argent. Comment tu vas? Dégrâce, donne-moi mon argent et je me casse d'ici. Ruth, quand vas-tu me pardonner, m'accepter? Jamais. Ruth, je n'aime pas la façon dont tu es énervée contre moi, considérant le fait que tu portes mon bébé. Notre bébé. Dans tes rêves. S'il te plaît, donne-moi mon argent et je pars d'ici. Avant que tu ne dises à ma mère que je t'ai insulté. Ah. Vite mon argent. Ah. Je reconnais maintenant que l'amour est méchant. Regarde-moi. Tu me fais perdre le temps. Juste donne-moi mon argent et je me casse d'ici. Fais vite mon argent. Ok. Ok. Ah! Hey, doucement, ah! Notre bébé, s'il te plaît, doucement.
Ruth! Ruth! Maman? Tu n'as encore rien vu, toi. Tu supplies Johnson pour te prendre maintenant au téléphone. Hein? Oh mon Dieu! Donc maintenant, tu supplies Johnson pour venir t'aider, c'est ça? Johnson, s'il te plaît. Johnson, s'il te plaît. Hein? Tu es un déshonneur pour cette famille. Laisse-moi te dire que ce soit la première et la dernière fois. Tu ne peux rien rejeter chez Ken. M'as-tu entendu? M'as-tu bien compris? Ce n'était pas pour Dieu, hein? J'allais vraiment taper sur cet enfant qui m'énerve. Espèce d'un déshonneur, tu n'as même pas honte. Je refuse ton sang de mes mains, sinon j'allais te faire du mal. Imbécile. Regarde comment est-ce qu'elle se fatigue aussi. Attention, hein. Fais attention, je te dis. Imbécile. De rester très loin d'elle. Je t'ai dit de rester très loin de ma femme et de mon futur bébé. Sinon, tu vas m'affronter. Écoute-toi, petit garçon. Je t'ai toujours prévenu de t'éloigner de ma famille. Tu m'entends? Tu n'as pas de famille. Tu la fermes. Tu n'as pas de famille. Ok? Si tu ne restes pas loin de ma femme, le tonnerre qui va te frapper se chauffe toujours à Worry. Ah! Mon amour, allons. Écoute, la moustache suit toujours le corps autant. Nous ne sommes pas ici pour les paraboles. Ah. Oui, nous ne sommes pas ici pour les paraboles. Tu es une illettrée, tu n'as jamais été à l'université. Tu sais, moi j'aime ma femme et elle doit rentrer avec moi. Mon amour, allons-y. Oh. Allons-y. Maman, s'il te plaît. Suis-moi, suis-moi. Laisse-toi. C'est une idée. Viens, viens avec moi. S'il te plaît, viens avec moi. Qui est ta maman? S'il te plaît. Elle n'est pas ta maman. S'il te plaît, maman. Je vais aller me tuer. Je t'aime beaucoup, s'il te plaît. Tu le sais. Viens avec moi, s'il te plaît. Viens avec moi. Viens avec moi, je t'aime. Je t'aime, s'il te plaît, viens, viens. Viens, viens, maman, viens. Viens avec moi. Mon amour, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu as tué cette fille. Tu l'as tuée. Toi, Johnson, tu l'as tuée. Tu l'as tuée. Elle n'est pas morte. Tu l'as tuée. Elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Tu l'as tuée. Mon amour, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Les gens venaient, oh. Les gens venaient. Hé, qu'est-ce que je vois là? Tu l'as tuée, toi. Tu vas voir. Venez, oh. Je suis désolée, mon amour. Mais je dois mettre fin à cette souffrance. Je suis trop jeune pour recevoir ce genre de torture. Je suis maltraitée par ma propre mère. Je n'en peux plus. Je dois mourir seulement. Non, arrête. Tu vas te donner la mort. Déborah, juste prenez-moi ça. Déborah, j'en peux. Non, arrête. Ne te donne pas la mort. Ne te donne pas la mort. Tu oublies. S'il te plaît, n'oublie pas qu'il y a toujours la vie au bout de tout tunnel. Déborah. N'essaye pas de me convaincre ni de me réconforter. Déborah, j'en fais pas plus. Ça. Ramène-moi ce médicament, s'il te plaît. Désolée. Très désolée. Tu dois être forte. Essaye d'être forte, s'il te plaît. Tout ce par quoi tu es en train de passer n'était pas une option pour toi. S'il te plaît. Qu'est-ce qui te prend, Jack? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, JJ? Quel est juste ton problème? Qu'est-ce qui te prend? Écoute, as-tu considéré ce que Rita serait en train de traverser? As-tu considéré ce que te viendrait cette pauvre fille? Je te comprends, Franck. Le problème est que Je quoi? Oh, relax. Je comprends ce que tu traverses. Ce n'est plus à moi qui revient la faute. Je n'aimerais pas commettre une erreur de génération dans ma vie. Que veux-tu dire par erreur générationnelle, JJ? Ok, écoute, pour ce que je sais, personne ne te force à te marier. Ou bien, y a-t-il quelqu'un qui te force personne à te marier? Personne ne me force, c'était ma décision. Ok, c'est tout. Bien. C'était ma décision. Ok. Est-ce que Rita, d'une manière ou d'une autre, t'a supplié? Ou bien t'a forcé à l'épouser? Est-ce que t'a forcé de l'épouser? Écoute, mec. C'est d'ailleurs elle qui fait durer ma proposition. Oui, c'est elle qui fait tarder la proposition. Alors pourquoi me blâmer? Écoute, jeune homme, t'as gagné le cœur de cette fille. T'as déjà gagné cette pauvre fille, s'il te plaît. Ne brise pas son cœur à ce point. Gars, c'est pas bon.
Tu ne me comprends pas. Mais moi, je comprends ce que tu dis. Écoute, laisse-moi te dire. Je suis un homme. Je n'aimerais pas faire quelque chose que je vais regretter plus tard. Tu ne regretteras rien. Je t'en parle, alors. Tu ne regretteras rien, mon ami. Que veux-tu dire par regret? Comment le sais-tu, alors? Hein? Que veux-tu dire? Écoute, tu es avec cette fille, ça fait 4 ans. Elle a été gentille envers toi. Elle t'aime de tout son cœur, de tout son être, de sa tête jusqu'aux pieds. Elle a pris soin de toi dans toutes circonstances. C'est une fille qui est très sincère. Jeune homme, tu ne peux pas la laisser à ce point. Tu ne peux pas lui faire ça, tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Je sais qu'elle est bonne. Oui, je le confirme. C'est une bonne fille, sans aucun doute. Mais je veux... Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Que tu veux laisser la pauvre fille là, qui a souffert avec toi? La fille dont les émotions sont attachées à toi? Oh mon frère, en toute franchise, ce n'est pas bien. En as-tu discuté avec un membre de ta famille? Oui, avec mon père. Oh bien, et qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Tu connais bien mon père. Ce qu'il veut, c'est mon bonheur. Oui. Oh, donc ton père soutient ta décision. C'est ce que tu es en train de me dire? Oh, donc ton père est aussi d'accord avec ce que tu es en train de dire. Oh mec, c'est bon, juste oublions ça s'il te plaît. Je ne sais même pas si c'est mon père qui m'appelle là. Ok, prends son appel. Oh, comme c'est beau. Merci. Allez, je suis jalouse. Ça serait mieux pour toi d'arrêter ça parce que JJ m'appartient. Mm-hmm. Il n'est pas partagé, ok? C'est merveilleux. Donc, paix de temps, vous serez madame et messieurs. Ah, ma chérie, tu peux encore le dire. Mm-hmm. Peux-tu nous montrer comment il t'avait proposé quand il s'est mis à genoux et quand toi tu lui avais dit oui, je vais t'épouser? Ok, oui, il n'y a pas de problème. Regardez-moi. Comment c'était? Moi, je suis Dédé. Oh. Et toi, t'es moi. Mon amour. Mon cœur. Veux-tu m'épouser? Ma chérie. Attendez, je dois appeler Brenda. Oui, je dois l'appeler. Oh, bien sûr. Je ne suis pas mère dans ça, mais je vais... Allô, Brenda? Elle ne répond pas. Oh, non. Ma soeur. Mon cœur est rempli de joie. En fait, je suis très heureux. Et qu'est-ce qui t'excite autant comme bien. Ça? Bien. Devine. Ben, tu sais que je ne suis pas forte en devinette. Essaye. Juste, essaye quelque chose, n'importe quel. Joe s'est décidé finalement à délaisser son très, business. Très, très, très loin de ça. Essaye encore, oui? Aucune idée. Ok. Elle m'a dit oui. Je ne comprends rien. J'ai finalement attrapé les gibiers. Tu continues de parler en parabole. Rita m'a dit oui. Oh oui, je comprends. Yes. Ta-da-da-da-da-da. Oh, je te dis. On doit célébrer ça. Mais t'as pas amené le verre. Ok, attends, j'arrive. Oh, de festa. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'ai peur. Tu as peur de quoi? C'est comme si je vais mourir. Je vais mourir. Ça veut dire quoi? Euh,
Mon corps n'aime plus mon esprit. Non, ne parle pas ainsi. Rien ne va t'arriver. Mon frère, je te couvre par le sang de Jésus. Amen. Je couvre ta vie par le sang de Jésus. Amen. Je couvre tout ton esprit. Amen. Du sang de Jésus. Amen. Aucune Amen. Âme de ténèbres ne va prospérer sur toi au nom Amen. De Jésus. Amen. Ton esprit, ton âme est couvert par le sang de Jésus. Amen. Amen. Ma soeur, prends le volant. Prends le volant, s'il te plaît. Oui, chérie. Je vais conduire. Juste entre dans la voiture. Je vais conduire. Allô? Ruth? Ah! Pourquoi? C'est très grave. Eh oh! Chai! Eh! Ok. Ce n'est pas un problème. Ok, je vais en parler avec ton père. Prends très bien soin de lui. Nous allons aussi prier pour lui. Ça va passer, tout ira bien. C'est bon, ma belle. Hein? Ok. Comment se porte mon fils? J'espère que tu te sens mieux maintenant. Est-ce que je peux lui parler? Mon fils, comment te portes-tu? S'il te plaît, n'aie pas peur, ok? Aie foi en Dieu. Rien ne va t'arriver, ok? Ok. Garde, dis-moi, quelle est la nature de la maladie? Le médecin m'a appelé ce matin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le labo n'a pas encore fini le travail. Et qu'il va me rappeler dès que le labo aura le résultat. Maintenant, tu es inquiet. Je t'ai toujours dit de prendre la vie au sérieux. Maintenant, tu dois donner à la vie plus d'attention. Ouais. Souviens-toi qu'il y a des ennemis partout. Il a des ennemis partout, frère. Je ne te comprends pas, Franklin. De quel ennemi tu parles? Ok, dis-moi, à qui est-ce que j'ai fait du mal? À qui? Tu me demandes à qui t'as fait le mal? T'es sérieux? Bien sûr! Pourquoi tu parles comme un enfant? Comment saurais-je qui t'a fait le mal? D'ailleurs, mon frère, la vie est faite comme ça. T'as pas besoin d'offenser qui que ce soit avant d'avoir d'ennemis. D'accord? Il y a des ennemis partout, mon ami. Des gens peuvent te détester pour une ou deux raisons. Écoute, j'essaie d'être vraiment prudent avec tout ce que je suis en train de faire. Alors, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Viens, frérot. Ça va. Je t'accompagnerai demain chez le docteur pour savoir ce qu'est le problème, ok? Tu n'as pas compris ou quoi? Le médecin m'a dit qu'il va m'appeler dès qu'il aura les résultats. Alors, ça va? Puisque le docteur t'a dit qu'il t'appellerait, alors pourquoi nous inquiéter pour rien?
passer un temps et attendons son appel. Je t'emmène moi loin d'ici. Où est-ce que tu as parqué la voiture? Quelque part dans une buvette. Allons-y. J'ai pensé que tu devais aller chez JJ cet après-midi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le voulais bien, mais il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Es-tu sûr qu'il est capable de prendre soin de lui? Et surtout qu'à présent, sa petite soeur n'est pas là, elle est partie rendre visite à ses parents. Je le crois bien. Tu sais, il est le genre de personne qui n'aime pas qu'on ait pitié d'eux. Je crois qu'il s'y sent bien. C'est juste pour une nuit, maman. Rita, ne sais-tu pas que ta présence à côté de lui peut servir d'un rétablissement rapide et aussi d'un réconfort? Tu es supposée rester avec lui, ne le penses-tu pas? T'inquiète, maman, je connais mon Didi, il va bien se sentir. Es-tu sûre? Oui. Ok, si tu l'es dit, alors lâche-moi, laisse-moi regarder la série. Maman, alors à propos de ce que tu m'avais promis s'il te plaît, de me donner... S'il te plaît, pas maintenant, plus tard. Ok. Merci, Jésus. Es-tu au courant des nouvelles dans toute la cité? Ah, je ne sais pas. De quelles nouvelles tu parles là? C'est partout sur tous les réseaux sociaux que tu vas te marier bientôt avec Ruth. Oh. En tout cas, je suis désolé.
c'est elle qui en est la responsable. Et tu es en train de la prouver. Oui, maman. Y a-t-il quelque chose de mal? Tout est mal. Oui, tout. On appelle ça, c'est rendre à l'ennemi. Ça veut dire quoi, ça? Selon toi, comment les ennemis arrivent-ils à connaître le plan de leur cible? L'Internet est quelque chose qui est à la mode maintenant. Nous sommes dans un monde moderne. Tu as raison, fils. Mais le diable va l'utiliser pour t'attaquer, fils. Un rat ne peut pas être attrapé avec du bruit, mais avec du poisson, la viande ou quelque chose autre qu'il mange. Mon fils, ta vie est très importante pour moi. Dans ces cas, efface tout ce qui concerne ton mariage avec Ruth. Je ne veux plus le voir sur Internet. Ai-je été clair? Très bien, papa, j'ai compris. Bien. Sinon, prépare-toi pour la guerre. Comment vas-tu? Ça va, bébé, je vais bien. Tu viens d'où comme ça? Je viens du garage. Du garage? Qu'est-ce qui t'arrive à ta voiture? Bien, ma voiture est là. Dès que tu peux le voir, je viens de là. Je suis sale, tu vois. Ok, alors, je suis désolée pour et ça. Et qu'en est-il de toi? Où est-ce que tu vas? Maison. Maison? Oui, je vais à la maison. Ah, à 7 heures? Je suis d'abord chez un ami. Ok. J'espère que mes reines vous passez des bons moments. Didier, sérieusement, tu sais comment flatter les gens. Bien sûr qu'une femme est une reine. Oui, tu as vraiment raison, mais ce que je sais, c'est qu'il y a certaines reines sont qui très sont très grandes. Oh, ravie de te voir. De même que moi. Alors dis-moi, où est-ce que tu vas? Bien, je rentre à la maison. Tu vas à la maison? Je vais juste prendre un taxi là. Ok. Très bien. Entre alors, je vais te déposer. Ah, es-tu sérieuse? Bien sûr, j'ai dit entre, je vais te déposer. Merci beaucoup, je suis impatient. De rien, je sais, je sais. Pouvez-vous imaginer, dans ce 21e siècle? C'est très évident que ton beau-père ne connaît pas l'influence de l'Internet. Il ne sait rien à propos du réseau social. Et toi, tu dois lui apprendre ça. Tu as raison. Je crois. En tout cas, tu as raison parce que moi, je ne veux pas accepter que mon mariage ne soit pas diffusé sur Internet. Oui, comment mes amis seront-ils au courant? Spécialement ceux qui sont un peu loin. Vraiment, ces problèmes de beau-père, je te dis. Ah, Lucie, comment tu ne dis rien? Les filles, vous vous cassez la tête pour rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a toujours été dit que les choses que voit un vieil homme en restant assis, un enfant ne pourra jamais le voir. Et c'est là même s'il montait sur un cocotier. Yeah. Lucie, depuis quand tu commences à parler en proverbe? Aujourd'hui, Ada, écoute. Je cherche à comprendre la raison pour laquelle il n'apprécie pas cet arrangement. Bonne question. Oui? Et rien jusque-là. Lucie, es-tu sûre qu'il est même d'accord avec ces arrangements? Parce que la plupart d'hommes sont rusés. Ada! Ne m'appelle pas Ada. Qu'est-ce que je fais de mal? On est juste en train de réveiller notre ami. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je ne vois aucune raison pour enlever cette nouvelle sur Internet. Ça, c'est le 21e siècle, s'il vous plaît. Je dis tais-toi. Il y a de cela 4 jours que je t'ai supplié de les supprimer sur Internet. Et tu as refusé. Pourquoi? As-tu pensé aussi à mes amis? Waouh, qu'en est-il des miens? Tu penses aux tiennes, mais qu'en est-il des miens? Peut-être que les tiens ne sont pas du tout importants que le mien. Es-tu sérieuse? Et donc, je vois. Sais-tu que ça peut être la source de l'attaque que j'avais eue? Oh, s'il te plaît, Gigi. As-tu oublié? Gigi,
Ne parle pas ainsi à cause de l'internet. D'ailleurs, cette info des mariages est déjà répandue. Il n'y a rien que je peux faire à propos. Rita, sais-tu que je peux annuler ce mariage? Pourquoi? Parce que j'ai posté notre date de mariage? Mais DJ, qu'est-ce qui ne va pas? Sais-tu que je peux annuler ce mariage? Pourquoi? T'inquiète, je te dirai. Mais pour le moment, je vais rester seule. Excuse-moi. DJ. Ah, tu veux rester toi-même? Alors je dois partir. Alors, parce que je ne veux plus. Oh. N'importe quoi. Chérie, dis-moi, c'est quoi le problème? C'est JJ. JJ m'a dit qu'il veut annuler notre mariage parce que je l'avais posté sur internet. Mais t'avais dit de ne pas faire ça, non? Je ne pensais pas qu'il était sérieux. C'est pour ça qu'il est fâché. Il est très fâché pour moi. Allez, c'est bon. Arrête de pleurer. Il ne va pas briser le mariage. Je vais parler avec lui, ok? Es-tu sûre? T'inquiète. Allez, ok. Je crois que je suis vraiment sous ces émotions. Parce que le jeu que je connais ne peut pas faire un truc du genre. Calme-toi, ça va aller. Ça serait mieux que je meure. Je peux plus le supporter. Qu'est-ce que je fais de mal? Dites-moi, qu'est-ce que je fais de mal? Sois forte. Ok? Fais fort. Ressaisis-toi. Le père ne sauvera pas ses problèmes. Je dois me tuer, laisse-moi, je dois... Ah, laisse-moi. Donner la mort ne doit pas être une option. Je suis sûre que mon frère ne jettera pas l'éponge. Qui sait, peut-être ses intentions, peut-être qu'il est en train de détester. Qui sait? Arrête de dire ça, Ada. Surtout pas ça. As-tu au moins une idée du stress que cause le mariage? Hein? Et laisser tout ça sur la tête de ma fille? Si quelque chose arrive à ma fille, si jamais, ne serait-ce qu'une toute petite chose arrive à ma fille, je tiendrai ce garçon coupable, je jure. Maman, je sais que mon frère est sous les influences diaboliques. Je me fiche de ce qu'il est. Je m'en fiche. Il a intérêt que rien n'arrive à ma fille. Absolument rien ne doit arriver à ma pauvre fille. Maman, rien de mal ne lui arrivera. Allez, ok, calme-toi. Ruta, veux-tu vraiment gâcher ta vie juste parce qu'un homme t'a déçu?
plus tard. Pleurer ne fera que te conduire dans une dépression. D'ailleurs, Joshua n'est pas le maître de ta vie. Peut-être que vous n'êtes pas faites pour rester ensemble. Maman, je veux mourir. Maman, je veux mourir comme toi, je veux arrêter de penser à lui. S'il te plaît, maman, je veux mourir. Peux-tu imaginer? Peux-tu imaginer? Tu veux mourir. Oui. Je pense qu'un homme a brisé ton cœur. Rita, je sais bien que ton cœur est brisé, mais cette raison ne mérite pas ce que tu fasses appel à la mort. Laisse-moi mourir. Laisse-moi mourir, maman. Rita, es-tu enceinte de lui? Non. Es-tu sûre? Alors pourquoi veux-tu te tuer? Viens. Allez, lève-toi. Viens. Lève-toi, on y va. Viens, on y va. Aucun de mes enfants ne mourra pour un homme. On y va. Avance. Où est mon téléphone? Où est-ce que j'ai laissé mon téléphone? Son numéro ne passe pas. Il a intentionnellement éteint son téléphone ou c'est dû aux circonstances. Ça ne passe toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Gigi. S'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, ouvre la porte. C'est ta sœur. Gigi, je veux faire un truc de stupide si tu n'ouvres pas cette porte. Te garde encore là-bas. S'il te plaît, papa, reviens à la maison maintenant. Je ne sais pas ce qui arrive à Didi ici. Depuis que j'ai toqué la porte, il refuse d'ouvrir. Papa, s'il te plaît, juste rentre maintenant.
Dieu soit. Donc si je n'étais pas venu chez toi, tu n'allais pas ouvrir la porte. Tu allais rester là-bas, enfermé seul. Regarde comment tu as détruit partout. Ton salon, partout. C'est arrivé jusqu'à ce point. Tu veux te tuer avec la faim? Tu fumes juste à cause d'une femme? Qui t'a appris ce genre d'amour? Hein? Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi en réalité le problème? Je veux que tu comprennes que le futur nous réserve des bonnes choses pour tout celui qui est en vie. Et encore de l'espérance pour ceux qui sont en vie. Tu m'as vraiment déçu. Tu m'as énormément déçu. Chérie, s'il te plaît, pardonne-le. Tu sais très bien qu'il n'est qu'un petit garçon. Un petit garçon? Regarde, tu vas commencer à pleurer comme ça jusqu'à quand? Ma chérie, jusqu'à quand? Je ne cesse de te dire à maintes reprises que je suis n'est pas le seul homme de ce monde. Tu es très jolie, je finirai toujours par trouver un homme. On dit que la beauté est pour celui qui t'aime. Josué a toujours été l'homme que j'ai toujours désiré. C'est pour ça que... Si tu donnes aussi une chance à un autre homme, tu vivras aussi le bonheur. Ok? C'est comme si tu ne me comprends pas. Rita, je te comprends. Mais toi aussi, tu dois comprendre que les hommes sont imprévisibles. Alors essaie juste de te remettre et laisse Josué partir, ok? Brenda, j'aimerais te voir. Sur l'avenue Douglas. Oui, maintenant. Ok, je t'attends. Tu ne peux pas faire ça. Es-tu devenue malade? Brenda, s'il te plaît. S'il te plaît, essaie de comprendre. Essaie de comprendre. Je t'en prie. Tu veux comprendre quoi? Que veux-tu que je comprenne? Brenda, s'il te plaît, tu me connais. Tu connais les genres de personnes que je suis. Crois-moi, je peux bien gérer ça. Oui, s'il te plaît. Je venais à peine de te dire que ça ne sera pas du tout possible. Pourquoi? Et ça ne peut jamais être possible. Comment peux-tu? As-tu réfléchi à propos? As-tu pensé aux conséquences? Non, tu ne l'as pas fait. Alors ne me nerve pas. Ne cherche pas ma colère. Écoute, Brenda, s'il te plaît. Je t'en prie. DJ, fais des bonnes choses et enlève tes mains sur moi. Brenda. Brenda. Que ferais-je maintenant? Que ferais-je? Je t'ai présentement appelé ici pour que tu m'aides à parler avec ton ami. Hmm? Ça va, ma chère. J'ai toujours parlé à Gigi, mais il n'écouterait pas. J'ai fait tout ce qui est de mon possible pour l'amener à me comprendre. Ce qui est pire est qu'il ne prend plus mes appels. Il ne veut même plus voir mon visage ou entendre ma voix. Ah ah. Je n'arrive plus à joindre Didier, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce qui ne va pas exactement avec lui? Je ne saurais le dire. À qui vais-je demander? Je ne sais pas ce qui lui arrive. Es-tu sûr qu'il n'est pas en train de voir une autre femme?
Je ne sais pas ce qu'il est en train de voir une autre femme, loin de là. Ou peut-être qu'il est envoûté par une fille ou quelque chose du genre, oui. Ensorcelé? Je ne pense pas. Mais comme je l'ai dit, je continuerai à parler à Gigi et lui faire comprendre, ok? Je ferai de mon mieux. Je le ferai revenir à ses sens. La prière. La prière est la seule option maintenant. Ouais, la prière. La prière, ce qu'il faut à Gigi maintenant. Je continuerai à prier pour lui et je crois qu'il reviendra à ses sens. Ok. Merci beaucoup. De rien. Je suis déjà en train de partir maintenant. Ça va, prends soin de toi et s'il te plaît, salue-moi Rita et rassure-toi qu'elle ne se blesse pas elle-même. Je ferai de mon mieux. Merci. Ça va. Bonne journée. Parle à ton frère. Dis à ton frère de ne pas réveiller le lion qui dort. Sinon, il va me détester. Brenda, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Dis à ton frère d'être franc. Rapporte-lui ce message. Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Quel est au juste ton problème? Écoute, je n'aime pas la façon dont tu traites cette fille. Je n'aime pas la façon dont tu traites cette pauvre fille. A-t-elle commis un crime de t'aimer? Mais à part ça... Est-ce une offense pour elle de t'aimer? Franklin, l'amour est très méchant. Oui, l'amour est très méchant. Pourquoi tu m'écris dessus? C'est ce que tu es en train de me dire. Oublie ça. C'est ce que tu es en train de me dire. Ok, je suis désolé. Juste, ne me comprends pas mal. Dieu, écoute-moi. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. T'es sur le point de perdre une fille qui sera une bonne femme pour toi. T'es sur le point de perdre une femme de vertu qui t'a aimé avec sincérité et t'es ici en train de dire des bêtises. Mais as-tu oublié qu'il est écrit que les belles filles ne sont pas encore nées? Alors pourquoi tu cries? Tiens donc mec, je ne sais pas pourquoi tu cries comme ça. Ne dis pas que je t'ai pas prévenu. Ok, ok, alors très bien, alors très bien. T'es en train de perdre une très bonne femme. Ah ok, pas de problème. Écoute, Franklin. Il y a quelque chose que je veux que tu fasses. En fait, j'aimerais que tu m'accompagnes pour voir quelqu'un. S'il te plaît, ne me dis pas non. Un homme ou une femme? Une femme, bien sûr. Jamais. Je ne t'accompagne nulle part. Pourquoi? Je ne te suis nulle part aussi longtemps que c'est une femme. Ne compte pas sur moi. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Ok, tu veux que je reste célibataire toute ma vie? Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Je dis qu'aussi longtemps que c'est une femme, je n'y vais pas. Je ne te suis nulle part. Mais, s'il te plaît, ne me dis pas non. Arrête, non. Je suis ton ami. Hein? Arrête de me trahir comme ça, mec. Hein? On est amis, mec. Voilà, tu viens juste avec moi m'accompagner. T'es mon ami. Viens, on y va. Thank you.
Brenda! Oh, cette fille! Oh, je suis fatiguée de rester ici. S'il te plaît, je suis désolée. Je connais les peines et les traumatismes que je t'ai causés. S'il te plaît, pardonne-moi. Trouve un espace dans ton cœur pour me pardonner. Je suis désolée. Je sais que je t'ai causé de la peine. Trouve juste une place dans ton cœur pour me pardonner et me dire oui. S'il te plaît, je suis vraiment désolée. Je te supplie. Rita, je t'en prie, pardonne-lui, ok? L'erreur est humaine, le pardon est divin. Oui. Pardonne-lui, oui, s'il te plaît. Je pense que le diable ne veut pas qu'on puisse se marier. Oui. C'est la raison pour laquelle il essaie de tout son mieux pour nous arrêter. Je l'avais dit. Tu les réalises maintenant? N'est-ce pas que je l'avais dit qu'il va essayer de t'influencer négativement? Regarde-le. S'il vous plaît, maman et papa, pardonnez-le. S'il vous plaît. Papa, je t'en prie, pardonne-le. Je t'en prie. Et comment es-tu sûr que le diable ne frappera plus? Je me suis décidé de tout prendre en main. D'ailleurs, oui. Dieu est notre force. Je ne vais pas tolérer une autre déception. Tu m'écoutes? Oui, papa. Tu es pardonné. Merci, papa. Merci. Merci, papa. Merci, maman. Merci, maman. Maintenant, vous deux, vous pouvez nous laisser seuls. Ok, papa. Merci. Merci, papa. Les diables étaient menteurs. Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que le diable a fait? Comme le diable n'utilise personne qui ne l'accepte lui-même. Ne vois-tu pas ce qui s'est passé? Passé hein? Où? S'il n'a pas permis ça au diable, le diable ne l'utilisera pas. Ne l'as-tu pas entendu? Résiste au diable et il te fuira. Il prie haut. Il prie beaucoup. Hey. Prier, d'ailleurs, c'est bien. Nous devons les prier, aider à c'est prière. Bien. Prier, c'est bien. Mm. Mais une fois que tu résistes au diable, le diable va te fuir. Ne laisse pas le diable de t'utiliser. Tu es ici en me disant, le diable a fait ça, le diable a fait ça. Je sais que mon Dieu ne va pas me laisser dans la honte. Je le sais. Mm. C'est bien.
papa. Oh. Vous êtes déjà prêt? Oui. Oui, papa. Dépêche-toi. Moi, je suis presque prêt. J'espère que vous n'avez rien oublié. Tout se trouve dans la voiture. Mmh. Ok. Allez, donne-moi ça. Hé, papa, tu vois, elle a pris les clés. Je pense qu'elle a raison. Aujourd'hui, c'est ton jour. Ouais. Laisse-la conduire. Ah oui, là. Allez, allons-y, allons-y, allons-y. On y va. Je pense que tout est en ordre parce que je ne peux pas tolérer une quelconque malorganisation. Bien sûr, chérie. Tout est sous contrôle. Hein? Qu'en est-il de maman? Où est-elle? À la cuisine, bien sûr. Hein? Elle fait ce qu'elle maîtrise. Tu le sais, non? Écoute, tu sais de quoi je parle? Tu vois, peu importe la vieillesse d'une femme, elle va te montrer de quoi elle a été créée. À la cuisine. À la cuisine. Et quand c'est en rapport avec le mariage, n'en parlez même pas. Elle s'occupe très bien des affaires du mariage. Donc tu n'as jamais changé. Oh bien, oh bien. Tu n'arrêtes pas de parler. On doit dire la vérité. Écoutez, peu importe la douleur qu'on peut ressentir, il faut toujours dire la vérité. Oui. Dire la vérité, tu vois. Avec la femme et le mariage, c'est comme le miel et la baie. Alors réjouissons-nous. Oncle, tu les connais très bien. Oui, je les connais très bien. En fait, apportez-nous un peu du vin. Comme ça, on pourra célébrer avant l'arrivée de la belle famille. Chérie, apporte du vin, non? Oui, du vin. Il faut qu'on s'irrite un peu. Ok, je le fais. Vas-y, va apporter une bouteille. J'arrive, je reviens. Très bien, alors, ok. L'oncle a soif. Ah, tout est bien, tout est bien, tout est bien. Mon Dieu. Allez, prends la peine. Oh, c'est très beau. Oui. Allô, bébé, ça va? Oui, salut. Je vais bien, et toi? Bien. Alors, dis-moi, comment ça se passe là-bas? Est-ce que tout va bien? Alors, comment va-t-il? C'est vrai? Oh, en tout cas, ça va très bien. Oh, ma chérie, je suis très contente pour toi. Je suis très contente. Oh, elle est là. Que je te la passe? Allez, donne-moi les téléphones. Allô, Monsieur Johnson. Je peux voir que tu es excité déjà. Hein? Oh, t'inquiète, tout est pris en charge ici. Tu es déjà en route? Oh! Ok, écoute. Alors, ce que tu as à faire, c'est de te maîtriser. Il ne faut pas aller là-bas avec tes émotions et gâcher tout ce qui est organisé. Oh, vraiment? Ok. Alors, ramène ta voiture. Tu vas aller nous présenter moi et mes amis à ta famille. Ma chérie, je crois que ça suffit, s'il te plaît. Oh, attends, donne mon téléphone. Donne le téléphone. Donne le téléphone. Oh, bébé. Oh, bébé. Oh, comment vas-tu, chérie? Bon après-midi à toi. Avec les selfies. Oui, hein, nous sommes là. Il n'y a pas de problème. Nous, on est là. Pourquoi tu fais ça? D'accord, prends soin de toi. Bye.
Dieu. Tu crois? Non. Je sais que tu t'inquiètes. Aucun membre de sa famille ne répond à mes appels. Ne t'inquiète pas. Ils viendront. Papa. Ils viendront. Pourquoi est-ce qu'aucun membre de sa famille ne répond à mon téléphone? Pourquoi? Ça va, ça va. Je ne peux plus être déçue. Ne te dérange pas, entrons. Alors écoute-moi. Les grandes filles ne pleurent pas. Allons-y. Ok. Entrons. Il est quelle heure chez toi? Oublie les temps, oublie les temps. Ils seront ici. Juste entrons, entrons. Non, je veux rester ici pour les attendre. Je non, écoute-moi très bien. Les attendre ici ne fera qu'aggraver ton état. Nous ne voulons pas que tu aies l'attention. Ils viendront. Je sais qu'ils viendront. Ça va, ça va, ça va. Je ne comprends pas ce qui se passe. Hein? Le problème est qu'il ne décroche pas les appels. Bien qu'on insiste, mais il ne répond toujours pas. Je prie que rien ne leur soit arrivé dans le chemin. Rien ne se passera. Jamais de la vie. Rien ne se passera. Rien ne va arriver à ma belle famille. Rien. Rien ne leur arrivera. Avez-vous le contact de l'un de ses parents? Je n'ai aucun. Quoi? Vous n'en avez pas? Non. Où est Rita? Je l'ai fait entrer parce que elle était en train de passer le coup de fil. Peut-être qu'elle est rentrée alors. Je m'en vais vérifier. Ok, très bien. Allons vérifier voir. Allons-y alors.
même toute cette distance. Tu vois que je suis jeune comme toi. C'est bon. Hein? Ça va, Michel. Maman, je suis niée. Maman, je suis maudite. T'es pas maudite. Ma fille ne peut pas être maudite. Arrête ça. C'est bon. Tu es un enfant béni. Arrête ça. Pourquoi moi? Pourquoi toujours la même histoire au même moment? Ça va. Maman, laisse-moi. Tu veux juste te donner la mort à cause d'un homme. C'est le diable qui est derrière tout ça. Arrête ça. Arrange-toi. Les gens te verront ici. Arrange-toi. S'il te plaît, je suis désolé. Après les explications, tu pourras partir. Après les explications, tu peux partir. S'il te plaît, je suis désolé. S'il te plaît. Ce même jour-là, nous étions en route vers vous. Et alors? Oui, bien sûr, et j'ai subitement commencé à avoir des grandes douleurs. Et on devait changer de direction pour l'hôpital. Je suis désolé. Je suis désolé, mais personne ne m'avait dit quelque chose. Je vous appelais, j'appelais tant de fois, personne n'y répondait. Je suis tu désolé. Tu me fais que mal au cœur. Pourquoi tu... C'est clair que le diable ne veut pas que vous vous mariez. Papa, le diable est menteur. Papa, écoute-moi. Pas de Rita. Pas de mariage. Ne dis pas ça. Crois-tu à la théorie qui dit toute déception est une bénédiction? Père, je ne crois pas en ça. Tout ce que je crois est que toute déception est un défi et non une bénédiction. D'accord, si tu le dis. J'ai un cadeau pour toi et ta sœur. S'il te plaît, appelle-la. Agatha. Agatha. Messieurs.
Va appeler ta soeur. J'ai besoin d'elle. Une fois encore de plus, Mebo. Soyez les bienvenus. Oh, merci beaucoup. Rita. Papa. Appelle-moi ta mère et ta grand-mère. Fais-leur savoir que la belle famille est là. je pense que vous avez fait un bon trajet. Oh oui, oui. Dieu merci. Merci beaucoup. Ah, ils sont la belle famille. C'est elle ta mère? Ken. Mais attends là. Maman, soulève-la, soulève-la. Qu'est-ce qui se passe? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Chérie? Qu'est-ce qui se passe? Chérie? Maman! Qu'est-ce qui ne va pas? Maman! C'est quoi? Maman! Maman! Désolée. Arrête de pleurer, hein? Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Arrête. Rita. Maman. Rita. Rita. Je t'en prie. Pardonne-nous. Tu fais qu'on t'a jamais dit la vérité depuis tout ce temps. Pitié, ma fille. Nous sommes désolés. Honnêtement. Nous avons eu peur que tes familles vont nous apporter des problèmes. S'il te plaît, pardonne. Hey! Ma fille, s'il te plaît. Pardonne-nous, s'il te plaît. Moi et ta mère. S'il te plaît. Non! Pardonne-nous, s'il te plaît. S'il te plaît, calme. J'étais en relation amoureuse avec mon frère tout ce temps, vraiment. Non! C'est bon. Non, laissez-moi, laissez-moi. Non, je ne peux pas le supporter, laissez-moi. Viens, viens. Tu vas où? Écoutez, arrêtez-la. Où est-ce qu'elle va? C'est à cause de moi. C'est moi la cause de tout ça. Je suis la cause de tout ça. Et moi, c'était la plus. Allez, la chercher. Maman, tu vois ce que tu as fait? Oui, c'est moi. C'est toi qui as causé tout ça. Alors. Nous avons consulté 3 voyants au village qui disent tous la même chose. Donc, ils ont raison. Et moi, je n'ai pas de choix que celui d'être accepté. Nous sommes humains et nous commettons tous des fautes. S'il te plaît, mon fils, pardonne-moi. Thank you.
Bébé. Oui. Je voudrais qu'on ait une confidence. Je te dis un très sérieux accord. Ok. Très bien, je suis partant. Es-tu prêt? Oui. Bien sûr que si. Je voudrais qu'on s'abstienne jusqu'après notre mariage. Hein? Oui. Regarde, bébé. Ça va être très difficile pour nous. Ne peux-tu pas voir? Je sais, chérie, mais nous devons essayer. Oui, on peut le faire. Ok, si tu dis ainsi, on va le faire juste après notre mariage, ok? Ok, chérie, tu veux qu'on le fasse après la cérémonie? Après notre mariage traditionnel. Je marche avec ça. J'accepte si ça va te faire du bien. Ah, merci beaucoup si tu me comprends bien. Chérie, tu sais que je t'aime beaucoup et je suis prêt à n'importe quoi pour toi. Écoute, si aimer était un crime, j'aurais voulu aller en enfer avec toi. Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Non, je t'aime trop. Je t'aime fois trois. Oh, chérie. Viens ici. Allez, raconte-moi ce que tu veux me dire l'autre fois. Ouais. Tu ne me l'avais pas dit. Mmh. Vas-y, dis-le-moi. Mon frère, nous n'avons eu aucune relation sexuelle. Oh Dieu, merci. Oh merci, Jésus. Je remercie l'éternel Dieu. Parce que j'avais toujours peur. Je pensais que vous deux, vous aviez commis une abomination. Quelque chose qui vous poursuivrait le reste de votre vie. Maintenant, je comprends. Maintenant, je comprends pourquoi les plans de notre mariage n'éteignaient pas. C'était à cause de ça. Oui! Mon frère, tu n'as pas à t'inquiéter sur ceci. Parce que toute déception est une bénédiction. Tu peux le dire encore. Celle-ci que je vois est une bénédiction déguisée. Pas seulement une bénédiction, mon frère, mais aussi un enseignant. Bien Vraiment? Sûr. Ce qui veut dire que nous sommes une écriture dans la tu main de notre Créateur. Compris. Parce que, hey, c'était un trouble, moi et ma soeur. Qu'allons-nous faire maintenant? Je ne sais pas, je ne sais pas, mon frère. Je dois trouver une autre femme à épouser. Tu te moques de moi, je te dis la vérité. Le bébé est en train de venir. Non. Oh, il veut sortir. Ça va. Oui. Mais va je ne pourrai plus. Désolé. Oui, calme-toi. Je t'appelle toi. Appelle-toi, je t'en prie. Oui. Calme-toi, s'il te plaît, je t'en prie. Oui. Accélère, non, s'il te plaît, accélère. Je suis en train de faire. Désolé. Bébé, j'ai envie de l'eau. Non, tu peux pas prendre de l'eau maintenant. Non. Ne me donne pas de l'eau, s'il te plaît. Oui. Laisse-la pour le moment. Oui. Choisis juste un nom, s'il te plaît. Quoi? J'ai pas compris. Ok, tu veux connaître la raison pour laquelle je te demande de choisir le nom? Exactement, je veux savoir. Qu'est-ce qui se passe? Écoute alors. Ma vraie sœur femme, oui, vient de donner naissance à une jolie petite fille. C'est vrai? T'es sérieux? Je peux pas croire ceci. Je suis maintenant un père distant. Oh mon Dieu. Je te dis, bravo. Tu sais quoi? Je suis impatient de revenir à la maison. Le froid ici, c'est trop. Je suis impatient de revenir à la maison. Tu sais quoi? Salue-les-moi, ok? Dis-leur que je reviendrai bientôt. Mon gars. Tu sais quoi? Il y a quelque chose que je veux faire. Je te rappellerai immédiatement.